C'est quoi ça? Valentin? C'est la poupée. Il y en a un dans cette pièce là-bas. Nadine, qu'est-ce qui se passe? Non mais Nadine, Lily Rose, t'es pas prête. Pendant que t'étais au collège, ouais, j'ai fait un truc trop bien, tu vas voir, vas-y. Okay. Vas-y, on rentre, ça va être trop cool. Alors, et tu me promets de pas avoir peur. Hein. Ouais, ouais, mais j'ai vu, Lily Rose, j'ai vu une légende sur TikTok. Et apparemment, quand on... Enfin, tu vas voir, tu vas voir. Il faudra attendre 3h du matin. C'est encore un prank, comme d'habitude. Non, c'est pas un prank, je te jure. C'est toi qui as posé ça là? C'est toi qui as acheté ça? Bah non, je non, reviens des cours, tu crois vraiment que j'ai eu le temps d'acheter je ça? Je sais que c'est bientôt Halloween, mais ça se fait pas de mettre... Ah, t'es sérieuse? Je te promets que c'est pas moi. De quoi c'est pas toi? Je te promets que je l'ai pas acheté. Mais ça fait trop peur ton truc. C'est pas toi qui a fait ça? Mais vraiment? Ok, bon. J'allais dire salut à tous ses amis là. Salut à tous ses amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis allée chercher Lily Rose au collège. Non, mais attends, mais je rigole pas. C'est vraiment toi qui l'as acheté ou non, pas? Non, mais c'est Peppa Pig qui a dû acheter ça. Je sais pas, moi je veux pas de ça. Bon, donc j'étais en train de dire, là je suis allé chercher Lily Rose au collège et j'étais en train de lui parler d'une légende. J'ai vu une légende sur TikTok tout à l'heure. Apparemment, ouais, il faut le faire à 3h du okay. matin. Et si on prononce 3 fois la phrase poupée, alors je crois que c'est plus poupée Mirabelle. Poupée ouais. Mirabelle, viens ici, poupée Mirabelle, viens ici devant un miroir. On ouais. doit dire ça 3 fois à 3h du matin. Et ben, il y a une poupée qui hante notre maison. C'est un truc qui fait trop peur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Je me suis dit qu'on allait faire ça pour les abonnés. Donc, je suis pas sûre, enfin, je suis pas sûre d'y croire, hein, franchement. T'as entendu? C'est quoi, quoi ça? Attends, mais t'as pas convoqué un esprit ou quoi? Non mais moi je convoque rien du tout. Attends, attends, y'a quelque chose derrière la pièce ou quoi? Attends. Eh oh, y'a quelqu'un? Valentin? Valentin, ça va? Ça Valentin va? Eh oh. Attends, allume la lumière, allume, mais... allume la lumière, allume la lumière. Ah, allume la lumière, allume la lumière, Lily Rose. Faut pas avoir peur comme ça. Moi je ferme la porte là. T'as eu peur de quoi? Du truc qui est dans le couloir. En même temps, avouez les abonnés, il est trop flippant là, le truc qu'on a trouvé dans l'entrée là. Ça va? Eh oh, Valentin. Attends, mais... attends, attends. Valentin, ça va? Oh, mais attends, mais il est super rigide. On dirait qu'il est figé. Mais attends, attends, mais... attends, attends. Dans la légende attends, de... Attends, mais c'est qui tape à la porte là? Chut, chut. C'est peut-être un chat qui frappe à la porte. Un chat, tu attends, 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 attends. Faut que j'explique un truc aux abonnés. Les amis, dans la légende que j'étais en train de vous raconter là sur la poupée Mirabelle, ça disait exactement ça. Ça disait que si on la regarde dans les yeux, on devenait totalement figé. Mais attends, mais là ça voudrait dire que Valentin regardait la poupée et là qui s'est figé? Non, tu nous ça fais voudrait dire que la poupée existe vraiment, non, mais je ça crois tombe, pas. Ça tombe, il nous fait blagues, il s'est passé plein de trucs ici, mais c'est pas possible ouais, qu'une poupée fige. Bon, écoute. Y a peut-être une raison. Bon, t'es vraiment figé ou pas? Eh oh! Bon, écoute, non, mais là, s'il est vraiment comme ça, il faut aller voir Peppa Pig pour le prévenir quand même. Ok, ok. Ouais. Vas-y, je pars d'ici. Ah! C'est quoi ça? Attends, mais c'est quoi, purée? Si y avait vraiment une poupée derrière la porte. Attends, mais je rêve où c'est la poupée, la Mirabelle? Attends, 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 reste devant la porte. Mais non, mais c'est toi, mais j'ai peur! Bloque la porte, bloque la porte! Valentin! T'as vraiment vu la poupée? T'as vraiment vu la poupée? T'as vraiment vu la poupée ou pas? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Purée. Ça s'est éteint. Mais je rigole pas là, ça me fait vraiment peur là. C'est la première fois qu'il se passe autant de trucs. Ah mais surtout qu'on a rien fait là. Il est même pas 3h du matin, comment ça peut se passer comme ça? Non mais j'imagine même pas ce qui va se passer à 3h du matin. Ah non non, mais moi je préfère pas imaginer là. Non mais je pense qu'on va devoir dormir dehors là. Vas-y, ouvre la porte, faut aller voir Peppa Pig pour le prévenir. Oh, elle est plus là. Elle est plus là du tout. Attends, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle a disparu? Elle a disparu. Vas-y, ferme la porte. On va le laisser dans le noir. Le pauvre. Ah non, le pauvre là, il doit être déstabilisé à fond. En plus, il y a ce truc là qui me fait super peur. Regardez. Oh, le pauvre. J'espère que lui va pas se mettre à bouger aussi parce que ouais. sinon ça va. Ah ah non, mais attends, bon, mais à la fin, on va passer sur le côté. Ouais, ouais. Bon, allez, on va voir Peppa Pig dans sa chambre. J'espère que ça va le faire. Et qu'on va réussir à débloquer Valentin. Et j'espère surtout qu'on va pas recroiser la poupée. Parce que ça faisait vraiment super peur. En même temps, j'ai passé toute la nuit à lire des légendes. C'est peut-être pour ça. Ouais, mais toi aussi, t'aurais pas dû faire ça. Hein. Peppa Pig. Eh oh. Peppa Pig. Oui, viens.
Qu'est-ce qu'il y a là? Viens nous aider, s'il te plaît. Non, non, viens, viens nous aider. On a vraiment un énorme souci. On va t'expliquer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe encore? Viens, viens. On a un problème avec Valentin et on va tout expliquer. D'ailleurs, aujourd'hui, t'as pas entendu des bruits bizarres dans la maison? Mais écoute, là, j'étais en train de faire du rangement dans ma chambre. Donc, non, j'ai rien entendu. T'as rien entendu? T'as pas vu des choses bizarres, genre des poupées, des trucs comme ça? Ah non, Esteban, j'avais mis de la musique, donc j'ai rien entendu du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, non, tu m'as dit. Viens, 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 viens voir. Viens voir, viens voir. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Enfin, tout va bien se passer. Attends, on va tourner tête parce que. Pas vraiment pour l'instant. Tu m'as dit ça? Non, mais non, mais je sais que la dernière fois que je t'ai dit ça, ça s'est mal passé. Mais t'inquiète pas. Ouais. C'est pas possible encore une fois là. C'est à cause des choses, je suis sûr que c'est toi qui l'as acheté. Et à chaque fois qu'on passe devant, il nous fait ça. C'est toi qui l'as acheté. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, t'inquiète pas. Et c'est quoi? C'est quoi ça? Regarde en haut. Regarde en haut. Ah, mais pourquoi elle est revenue? C'est la poupée. Bon, viens vite, on va t'expliquer. Vite, vite, viens, 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 viens. Bon, c'est pas toi qui as acheté ce truc maudit. Mais la lumière, elle est ouverte. La lumière est allumée. On l'avait éteinte tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Oh, c'est ce que je t'ai dit, Valentin. Ouais, alors, on va t'expliquer. Je vais fermer ça, j'ai pas envie de laisser ça ouvert. Alors, Esteban a lu une légende. Ouais. Esteban a lu une légende comme quoi il y avait une certaine poupée Mirabelle. En gros, quand on croise son regard, et ben on reste figé. Et la poupée qu'on vient de voir, et ben c'est elle. Et Valentin, il a regardé. Et la poupée, alors, elle était là, alors, non, tout gros, à l'heure. Oui, tout à l'heure. Cette nuit, j'ai passé ma nuit, j'ai même pas dormi, à lire des légendes sur les poupées maudites d'Halloween. Et j'ai lu une certaine légende sur la poupée Mirabelle. Et j'en ai entendu parler après sur TikTok. Et je voulais faire l'expérience ce soir pour la faire apparaître. Sauf que dès que j'ai commencé à en parler, il s'est passé des trucs trop bizarres. Ouais, et me dis pas que c'est la poupée qu'on a vue là tout à l'heure. Ah si. Et quand on est arrivé dans la pièce, bah Valentin il était comme ça, figé. Et du coup c'est réel ce qui se passe. Et regarde, la poupée, quand on la regarde dans les yeux, elle nous fige. Et là il y a quelqu'un de figé. Bah je suppose que quand t'as lu ce qui se passait avec toutes ces poupées, tu connais le remède pour faire en sorte... Il n'y a pas de remède, bon. Il n'y a pas de remède pour que Valentin il redevienne... Elle est encore derrière. Non. Attends, j'ai appelé... Ne la regarde surtout pas. T'es sûr? Moi j'ai rien d'autre. J'ai peut-être une technique. C'est quoi? Valentin, il est allergique au chat. C'est vrai, tu veux que j'aille chercher un chat? Il est très allergique au chat. Oui, mais il y a la poupée aussi. Non mais elle disparaît une fois qu'on l'a regardée et qu'on l'a vue. Regarde, je suis sûr qu'elle est plus derrière la porte. Vas-y, ouvre. Elle est plus là. Non. Et il y a justement, regarde, il y a Motus. Vas-y, attends, on va prendre le chat, va prendre le chat. On va essayer de débloquer Valentin. Ouais. Comme on va mettre le chat à côté de son nez, donc normalement il devrait être éternuer. il devrait être un peu allergique, il devrait éternuer et ça va le forcer à bouger. Parce que regardez, il est aussi froid que de la pierre, c'est incroyable. Allez, vite, prenez le chat. Tu t'en charges parce que moi je sais pas comment faire. Hein. Allez. Mais c'est vrai, ouais, mais il risque d'éternuer. Ouais, oui, mais c'est ça le but, c'est que il éternue pendant 5 minutes. Ah, déjà. Vraiment allergique. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va? Eh non, j'ai peur, regarde, il y avait une poupée juste ici. Mais justement, elle t'a figé. Mais oui, mais j'ai vu ça, mais elle a disparu d'un coup là. Oui, bah c'est pour ça, c'est bien ça le problème en fait. Oh, je veux plus la revoir cette poupée, quand même. J'ai trop peur. Non, mais c'est normal que tu veuilles plus la voir là, je te comprends parfaitement. Vous l'avez déjà vu? Le problème, c'est qu'elle est partout dans la maison. Elle est partout. Et mais désolé, c'est un peu à cause de moi, je pense que je l'ai cette nuit en voulant faire des expériences, en lisant des articles. Là. Bon, en tout cas, si tu la vois, ne croise pas son regard, ne la regarde pas. Ah bah oui, t'inquiète, là, plus jamais je la regarde cette poupée. Bon, écoutez, non, il faut monter, il faut faire un plan là. Ouais. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense qu'on devrait faire des équipes, ok? On fait des équipes. Je me mets avec qui, moi? Avec Valentin. Avec Valentin, tu viens avec nous, moi. Et l'idée, c'est que... Alors, surtout, ne la regardez pas dans les yeux, mais si vous voyez cette poupée, foncez sur elle, attrapez-la et on essaie de la mettre dehors. Sans la regarder, alors? Non, sans la regarder, pas dans les yeux. Si elle est de dos, vous pouvez la regarder, mais ne la regardez pas dans les yeux. Et si on lui met des lunettes de soleil? Non, essayez pas de faire des trucs bizarres. Bon. Là, c'est parti. Écoute, Valentin, Valentin, il garde le chat, on sait jamais. Si tu crois son regard, c'est le seul qui peut me réveiller. Allez, partez par là. Alors, fais pas de bruit. C'est parti. Elle est revenue. Elle était derrière la porte. Attends, montre. Elle vient de disparaître. Non. Ouvre. Elle était là. Bon, écoutez. Même le chat, il a eu peur. Le chat a eu peur, oui. Mais lui aussi, il peut être figé pour faire attention. Mais oui. Bon. Les amis, on divise l'équipe, on y va, on prend notre courage à deux mains. Tu viens avec moi? On prend notre courage à deux mains, les amis. Lui, il est toujours. C'est parti. Allez-y. C'est bon. Oh là là, j'ai peur. Bon, écoute. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Vous allez voir en haut. On va voir en haut. Vous allez voir en haut.
Et nous, on va voir en bas. Iros, j'ai des, okay. choses à te proposer. Viens, Valentin. Allez, allez. Enfin, on va dans la chambre jaune. On commence dans la chambre jaune. Ok. Iros avance un petit peu. Bon, les amis. Ah, c'est quoi ça? Iros, ça va? Ça va? J'ai vraiment eu peur là, les amis. Je pense que ça s'est vu à la caméra. Elle était juste derrière la porte. Lily Rose, ça va? Ah, j'ai vu une ombre. Ça va, Lily Rose? Lily Rose, ça va? T'es figée? Eh oh! Lily Rose, qu'est-ce qui se passe? Ok. Bon, là, les amis, je pense que j'ai pas réussi à filmer ce qui s'est passé. On est enfermé. Regardez. On est bloqué. C'est fermé à clé ou quoi? Attends, mais qu'est-ce qui se passe? Lily Rose, en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à rentrer dans la pièce... Attendez, je vais allumer la lumière là parce que ça fait un peu peur. Quand on est rentré dans la pièce, j'ai vu comme l'ombre de la poupée. Et Lily Rose, elle a dû la voir dans les yeux. Elle devait être derrière la porte. Ok, bon. Lily Rose, il faut que tu te défiches là. Bon, super, je suis dans l'équipe de quelqu'un qui est figé. Et les amis, ce que je voulais vous faire, c'est que j'ai une application qu'on a déjà utilisée dans des vidéos, vous la connaissez peut-être, pour essayer de voir les fantômes qui sont autour de nous. Oh, il y a même un chat, j'ai eu peur. Regardez, le chat qui fait du Ouija. Bon, je vais utiliser l'application pour détecter des fantômes. Peut-être que ça m'aidera à voir la poupée. Je suis toujours bloqué dans la pièce. Là, c'est bon, je vais lancer l'application. J'ai éteint la lumière. Enfin, j'ai éteint la lumière. Elle s'éteint, elle s'allume toute seule. J'ai fermé le rideau. Et Lily Rose, évidemment, est toujours figée comme ça. C'est vraiment dramatique, franchement. Évitez de passer la nuit à lire des légendes. Franchement, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment ça. Allez, c'est parti. Je lance l'application. Calibration, c'est parti. Allez, j'espère que ça va vraiment me trouver des fantômes et que je pourrai en finir avec cette poupée et en connaître plus sur tout ça. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a déjà un signal. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, Iros, tu m'as fait super peur. Ça va? Purée, j'ai chaud. Mais oui, t'as été figée. Sérieux? T'as été figée par la poupée. Purée. Attends, regarde justement. Je suis en train de trouver un fantôme là. Il a 138 ans. Il est sur une fréquence de 0,27. Quoi? C'est un fantôme. Qu'est-ce que tu racontes? Mais j'ai utilisé l'application. Mais des fantômes, mais c'est pas une poupée qui est censée avoir? Bah oui, mais à mon avis, la poupée, c'est pas elle qui est hantée. Ça doit être un esprit qui est hanté dans une poupée. Un esprit qui est dans une poupée. Ouais, je sais pas. À mon avis, c'est ça, les amis. C'est un esprit qui hante une poupée, qui est rentré dans une poupée. Et qui fait que... bah voilà, quoi, on est bloqué dedans. Enfin, elle est bloquée. Mais qu'est-ce qu'il fait là? La poupée est bloquée, elle peut se déplacer toute seule. Ah, mais les chats sont rentrés, hein. Ils ont eu peur... Ils ont eu peur de tout ce qui se passe. Bon allez, on va quand même essayer de sortir si ça s'est débloqué. Oh, c'est bon, ça marche. Ah, yes. Ah, j'ai eu peur parce qu'à la base, on était vraiment bloqués dès qu'on est rentré dans cette pièce. J'ai vraiment super peur. Ouais. Ça dure longtemps. Allez-y. Bon, je vais dire aux autres qu'on a trouvé des indices, ok? Ok, ça marche. Parce que si tout ça, c'est l'origine d'un fantôme, ça veut dire qu'en utilisant des techniques anti-fantômes, comme on a déjà utilisé ici, on pourra peut-être s'en sortir. Allez, c'est parti. On va aller chercher... J'espère que lui, il va pas faire son bruit, là. Ouais. Son bruit effrayant. Ah non, bon, allez, on va chercher Peppa Pink. Le plus étonnant, c'est que il fasse jour. Et que tout ça, ça se produise en plein jour. Oui, parce non, qu'en principe, on nous avait dit c'est à 3h du matin, etc. Là, il est pas du tout 3h du matin. Donc, c'est très très étrange. Peppa Pink! Valentin! Vous cherchez toujours les fantômes? Hello. Vous cherchez toujours la poupée? Eh oh! Attends, mais t'entends? On dirait un bruit de fantôme. Mais c'est qui ça? Attends. Non, mais il faut aller voir là. Attends, je vais faire une recherche de fantôme ici. Ok. Attendez, c'est en pleine calibration. Y a pas de fantôme ici. Y en a un dans cette pièce là-bas. Y en a un derrière la porte. Pourtant, on va voir ou pas? Pourtant, c'est pas là qu'on entend les bruits. Les bruits, on les entend dans ta chambre. Viens, on va voir. Vas-y. Y'a quelqu'un? Peppa Pink! Qu'est-ce qui se passe? Peppa Pink! Ça va? Vite, mais attends, mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui t'a fait ça, Peppa? Bah, d'après toi, Seban! C'est la poupée? Oui! Mais si! Mais comment elle t'a attachée? Bah écoute, je sais pas, elle a sorti cette corde!
De nulle part. C'est pas possible, non, mais cette poupée, il faut vraiment la virer de la maison, hein. Bon, écoute, nous, on a trouvé des indices. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, il faut la retrouver, cette poupée. Non, mais ça fait super peur. On a trouvé des indices, Peppa Pink. Vas-y, c'est bon. Dans la pièce jaune au sous-sol, ouais. J'ai vu des fantômes avec mon application. Et il y en a également à l'étage. Attends. Ça veut dire que là... J'enlève les cordes. Non, mais là, il y en a partout dans la maison, là, c'est catastrophique. La poupée, elle est contrôlée par un fantôme, ça veut dire. Faut trouver le fantôme, là. Oui. Ah, j'arrive pas à enlever les cordes. Ouais bah il faut l'enlever là, il faut que tu nous aides. Et Valentin alors, il est où? Je sais pas où il est. Il devait rester avec moi. Ouais. Il est parti. Valentin, vous avez perdu. Vous êtes divisé. Ben oui. Il a dû avoir peur encore une fois. Je lui ai demandé d'aller chercher je sais plus quoi. Il est parti, il devait revenir tout de suite. Et sur l'entrefaite, il y a la poupée qui est venue. Elle m'a jeté, je sais pas, elle a jeté un sort. Ce qui fait que je me suis retrouvé. Moi je pense qu'on devrait aller chercher Valentin. Vas-y, on va chercher Valentin. Allez, c'est parti. Ah! Elle est encore là? Vite, ferme la porte! Regarde, elle est figée! Elle l'a regardée! Oh non, non! Attends, déplace-la un peu! On va pas la laisser dans l'entreporte! Au pire, allonge-la! Attends, je vais l'asseoir ici! Je m'en doutais! La poupée fait tout pour nous piéger! Elle se met toujours derrière les portes, pile à l'endroit où on peut rien faire! Dès que j'ai ouvert la porte, je m'en doutais que t'allais te faire avoir! Oh là mais là. Trop tard, elle est figée. C'est quoi le remède? Non, avec le chat, ça va pas marcher. Elle est pas allergique, elle est allergique au chat. Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Non, écoute. Peut-être que dans le dernier, si vraiment on n'arrive pas à la défiger, parce que tout à l'heure, elle s'est défigée toute seule, si vraiment on n'arrive pas à la défiger, on appellera la sorcière, ok? Oui, la sorcière, non, On l'appellera. D'abord, on se charge de Valentin. Il faut pas laisser les gens figés trop longtemps. Surtout que lui, il a déjà été figé une fois, Valentin. Ça peut être dangereux pour lui. On peut laisser Lily-Rose comme ça? Ouais, on la laisse figée. Bah, si elle est figée, elle risque pas d'être figée une deuxième fois. Je vérifie s'il y a pas la poupée. Non, mais t'inquiète pas. Attends. Les amis, il faut aller chercher Valentin. On va fouiller au sous-sol parce que ça m'étonnerait qu'il soit ici. Valentin, t'es là? Eh oh! Valentin! T'es où? Il est pas là. Valentin! Eh oh! Attends, je vais utiliser l'application pour détecter les fantômes. S'il a été figé, il est probablement au même endroit que le fantôme. Allez, c'est parti. Je l'ai dit, gardez les chats. Et vous, les chats, vous allez bien? Ils ont un peu peur, tu m'étonnes. Avec tout ce qui se passe, vous allez bien? Ah bah, il a peur de la caméra, ça va. Bon, allez, on n'a pas le temps. Attends, Esteban, dépêche-toi. Par là. Attends, il y a un fantôme au sous-sol. Non. Si, la flèche m'indiquait par là. Vas-y. Ah, encore lui. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit à chaque fois. Il fait trop peur. C'est peut-être lui qui contrôle la poupée, non? Tu crois pas? Non, ça va le chat? Bon, le chat. Les chats avec tous les fantômes, tout ça, ils doivent avoir un peu peur. Bon. Écoutez, je vais aller voir dans le garage. J'ai essayé de l'appeler, non? Dans le Piccadilly Shop, il est pas là. Non, il est pas ici. Peut-être dans le garage. Valentin, t'es là? Eh oh! Ah, il est là! Il est là! Valentin, ça va? J'arrive pas à ouvrir la porte. Attends, ferme la porte. J'ai pas envie que la poupée se mette derrière. Ça va? Attends. Ça va? La porte est bloquée. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça se fait que t'es là? Bon, ok, là les amis, c'est vraiment grave. Maintenant la poupée, elle ne se contente plus de nous figer. Elle nous jette également des sorts. Et on se retrouve bloqué dans des voitures. On se retrouve ligoté à des cordes. On se retrouve plein de trucs. Et oh! Comment on va faire? Comment on fait? Attends. Vas-y. Ouvre le garage. Le garage il fonctionne, ça va, au moins on n'est pas bloqué dans la maison. Oh hey, regarde, c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je referme. Non mais elle nous attend absolument partout. C'est elle qui m'a bloqué ici. Ah, c'est la poupée qui t'a fait ça? Comment on fait pour débloquer Valentin de la voiture? Attends, on peut essayer par le coffre. Attends. Ah, c'est bon. C'est débloqué, Esteban. Tu peux passer par le coffre. J'arrive. Allez, vas-y, viens. Vas-y, passe par le coffre, t'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord.
Heureusement que le coffre était pas bloqué. Et comment on va s'en sortir, Esteban? Moi j'aime pas ça. Lily Rose, elle est bleue. Et elle nous, elle nous attendait derrière le garage. Il y est peut-être encore. Elle est arrivée comment pour toi? Bah je sais pas, au moment en fait où on est monté, oui. J'ai eu une sorte de gros trou noir et j'ai vu la poupée comme m'attraper et puis je me suis retrouvé ici. Elle t'a attrapé carrément. Et moi elle m'a attaché. Ouais, moi elle m'a attaché, j'étais enlacé oui, avec de la corde. Dans la chambre de Lily Rose. Ah bah, et nous, elle nous a enfermé dans une pièce, hein, dans la pièce jaune, la poignée fonctionnait plus. Oh non, c'est vraiment bizarre. Il faut trouver un... Attends, le meilleur c'est moyen... Réouvre, on va voir si... Le meilleur moyen, c'est... Ne la regardez pas, regardez que ses pieds. Elle est encore là. Vite, ferme avant qu'elle rentre. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, j'allais oublier. Lily Rose, elle est toujours figée. Bah oui, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Oh là 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 là. Attends, je suis en train de regarder la légende sur internet. Bon, allez voir Lily Rose en haut. Allez voir Lily Rose en haut. C'est pas possible. Les amis, je dois vous avouer quelque chose sur la légende pendant qu'ils sont partis. On ne peut pas se débarrasser de cette poupée comme ça. C'est extrêmement compliqué de s'en débarrasser. Il y a des gens, ça fait plusieurs années qu'elle est chez elle. Ça fait plusieurs années que la poupée les hante, qu'ils gâchent leur vie, qu'elles gâchent leur vie, que tous les jours il se passe des trucs, que des affaires disparaissent, que des gens se font pranker comme ça. Il y a toujours ce maudit truc là. Ah bon, allez, je vais voir Lily Rose, mais lui, je veux vraiment le bouger de nos escaliers. Allez, je vais rejoindre Peppa Pink et Valentin. J'espère qu'elle s'est défigée toute seule au moins. Oh le chat, ça va? T'as toujours peur de la caméra? Tu m'étonnes avec tout ce qui se passe. Elle est toujours figée, Steven. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je sais pas, enfin... Bah, écoute, la solution que t'as eue là avec la sorcière, je vais essayer de trouver la sorcière et lui demander une solution pour rendre Lily Rose normale. Qu'est-ce que t'en penses, Valentin? Bah, c'est de la sorcière. Bah on n'a pas le choix vraiment, elle est pas allergique au chat, Lily Rose. Non. Bon allez. Attends, t'entends? Qu'est-ce que c'est ce bruit? J'entends un ronflement. C'est quoi ça? Ça vient dessous, le lit. Bah, oh non! Viens, et regarde! Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh oh! Mais Jérémy, qu'est-ce qu'il fait là? Jérémy! Mais il est ligoté c'est aussi! Là, c'est n'importe quoi, je vais chercher la sorcière. Viens attacher. Jérémy! Ah, c'est quoi ça? Jérémy! Mais qu'est-ce que tu fais? Non, Esteban, c'est mais pas grave! Tu fais chez nous? Bah, je sais pas. Mais pourquoi tu me mets ça? Mais il a dû être piégé par la poupée! C'est bah certainement. Mais enlève-moi ça, c'est chiant. Mais enlève-moi ça. Bon, Esteban, je vais chercher la sorcière. Mais okay. Du coup, vous parlez de poupée de sorcière là. Bon, écoute, t'as pas suivi tout ce qu'il y a. Ouais, non, mais il a rien suivi, je sais mais même non, pas. Je sais pas de quoi je sais même pas ce qu'il fait chez nous. Bon, allez, vite. Mais... on bouge d'ici. Qu'est-ce qui se passe, Jérémy, on n'a pas le temps pour l'instant, mais tu nous expliqueras ce que tu fais chez nous. Et en plus de ça, dans la chambre de Lily Rose, alors qu'on t'a même pas ouvert. J'en sais rien, moi. Au moins il est parti chercher la sorcière, rien que ça, ça va être pas mal. Ouais. Elle risque de pouvoir trouver une solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis là? J'en sais rien moi. Pourquoi je suis en dessous là? Pourquoi vous m'avez ligoté? Pourquoi c'est t'es pas chez drôle vous, surtout? Mais je suis chez vous, je sais pas, moi ça fait 2 heures que je suis ici. T'as pas vu une poupée? Je comprends rien. Bon, allez. Je vais aider Peppa Pig. Elle est figée, c'est une longue histoire. Mais quoi? Vous devez figée? C'est bon Peppa Pig, t'as trouvé la sorcière? Peppa Pig! Eh oh! Qu'est-ce qui se... Ah! Vous êtes où? Ah, on est là, vite, viens, on a besoin. Hey, Papa Pink, on a besoin de toi pour une fois. N'aie pas peur, il m'a tout raconté! On a besoin de toi pour une fois. Ouais, heureusement. J'ai tout compris. T'as rencontré l'esprit de la poupée? Ah, ouais, bah là, on l'a bien rencontré, hein, t'inquiète pas. La poupée blanche? Elle est en train de nous gâcher la vie, cette petite poupée là, la poupée Mirabelle. Attends, il y a la sorcière. Mais je comprends. Oui, bon, voilà, pour t'expliquer brièvement, il y a une poupée qui est rentrée chez nous. Quoi? Il y a une poupée qui est rentrée chez nous. Et enfin, une poupée qui est rentrée. Il y a un esprit de poupée. Mais c'est encore elle, ça, c'est sûr? Non, c'est pas elle, t'inquiète pas. C'est à cause de moi et d'une légende que j'ai vue sur internet. Bah oui, t'as activé la poupée. Il a regardé des légendes sur un bouquin. Et ce qui fait que la poupée, bah, maintenant elle est venue. Attends, il y a une poupée hantée chez nous qui s'amuse à nous figer, à nous faire des pranks et j'en peux plus. Mais pourquoi elle bouge pas? Parce qu'elle a été figée, elle a regardé la poupée dans les yeux. Ok, bah allez, donne tes potions, tes trucs, elle est figée là. Bon, alors, t'as une solution, la sorcière, j'espère. Oui, j'ai eu le temps de regarder mon livre de sœur, mais je la connais, cette poupée blanche.
Allez. Allez voir tous les deux si elle apparaît pas quelque part. D'accord. Surtout ne la regardez pas dans les yeux. On essaie toujours de s'en débarrasser. Attends, Valentin, il va m'expliquer. Mais t'es où la dernière fois? Faites attention avec les portes. Oui. Quand vous quittez une pièce, ne regardez pas. Mais la dernière fois, elle était dans le garage, attention. Apparemment. C'est pas Papine qui m'a dit ça. Ah oui, dans le garage? Oui, derrière la porte. Ok. Bon, allez, là on s'occupe de Lily Rose, c'est quand même le personnage principal de cette histoire. Allez. 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 Malibulis, Figius, Réparus. Voilà, normalement d'ici. Ah, voilà, ça fonctionne. Lily Rose, Lily Rose, réveille-toi. Lily Rose. Ah, ça marche. Ouais. Lily Rose. Ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Ah là là, c'est une longue histoire. J'ai encore été figée, c'est pas possible. Tu t'es figée? Bah oui. Oh. Et cette fois, ça a duré beaucoup plus longtemps. Apparemment, t'as regardé la poupée et puis ça t'a figé, Lily. Allez, lève-toi. Je suis fatiguée là. T'es fatiguée? Ah, c'est encore pire que la première fois. Ah, ça m'étonne pas. Bon, écoute, ce qu'on va faire, maintenant il faut retrouver cette poupée. Ouais, c'est sûr. Y a que moi qui peux. Alors? Bah, je l'ai pas vu du tout, mais Jérémy, il est parti explorer la maison. Ah ouais? Ouais. Il nous rejoindra après. Okay. J'espère qu'il va pas apparaître derrière la porte. Non, ça devrait. C'est bon, Lily Rose n'est plus figée. Ouais. Pour l'instant, on n'a plus trop de problèmes. Maintenant, ce qu'il faut, c'est chasser cette poupée d'ici. Mmh. Ok? D'accord. Bon, je vais vous aider. Rien du tout. Comment ça, y a rien du tout? Y a rien. C'est quoi vous dire de vous l'avez pas trouvé? Mais non. Moi, elle a dû sentir que j'étais là. Bon, allez, moi, je vais la chercher cette. Ah, non, je suis immunisé, je suis une sorcière. Maintenant, Jérémy est figé. Vas-y, la sorcière. Montre-lui. Fais la potion. À quoi fut Malibus. Montre-lui de quoi on est capable. Malibus Retabitus. Défigus. Voilà, normalement. Mais il faut chasser la poupée maintenant. Laissez-moi ça la mec. C'était ça la poupée? Mais oui. C'est elle qui a dû t'enfourrer avec la corde. Mais comment je suis arrivé si tout court, de toute façon? Bah c'est la poupée, ça peut être quelque de toute façon. Et qu'est-ce qu'elle fait la sorcière? La sorcière, elle va la chasser maintenant, c'est bon. Attends. Mais elle est folle cette sorcière. Ah, c'est voilà. Bon, t'as réussi. Elle vient de s'envoler. Elle est partie. Ah c'est bon. C'est vrai qu'on la voit plus. Heureusement que j'étais là, hein. Enfin. Fais attention la prochaine fois, Esteban. Oui. Écoute, ne regarde plus ces bouquins-là. Ah, non, mais c'est sur internet, j'ai juste lu une légende sur internet. Ah ouais, ça me rend rien à plus histoire. Je sais pas ce qui se passe, faut vous m'expliquer. C'est une histoire là. Bon, tout ça, ça m'a donné envie d'aller aux toilettes en tout cas. Ah bah, oh là là, ça m'a. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, elle est revenue! Vite, faut enlève-la, mais là, c'est pour envoyer, mais tu. Ah, Esté, il est figé. Attends, on va reprendre. Non. On va faire comment? Il est figé? Mais je sais pas. C'est comment là? Il est pas allergique au chat, en plus du coup faut que la sorcière... Non, la sorcière, faut rappeler la sorcière. La sorcière, c'est parce qu'il est figé. Vite. Défigus, Malibus. Attention, va tomber. Ah, fais attention. Ah, c'est bon. Moi, c'était bête, t'as été figé. Hein. Elle est là. Quoi? La regardez pas. Je reste avec le chat, je sais qu'il me réveille. Ah c'est bon, ouvrez-moi. Je pars plus de cette ouais, ouais. Et pourquoi il y a le chat avec vous là? Je pars plus de cette pièce. Heureusement que le chat il veut pas être figé là. Allez, c'est bon. Bon les amis, je pense que là je vais plus partir de cette pièce. Même je pense qu'on va partir de cette maison pendant quelques jours. Histoire que la poupée parte chez quelqu'un d'autre. Parce que là c'est... Peu importe où vous êtes, il y a toujours des trucs hein. Ouais, ah bah oui, non, mais là j'en peux plus. Ça nous suit. Je sais pas quoi faire. Bon en tout cas, les amis, ne lisez pas des légendes sur internet comme ça. Ne dites pas des choses à 3h du matin. Du tout. Faites attention lors d'Halloween, ne regardez pas n'importe quoi. Je pense que c'est bon, Esteban. Vas-y, rentre-moi, je vais partir. Ne faites pas n'importe quoi, regardez. Nous, on a des poupées chez nous comme ça. Après, c'est infernal, on n'arrive plus à s'en débarrasser. Bon, d'ici là, pour nous, ça commence à aller mieux. On se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Ouais. Vous pouvez cliquer sur une autre vidéo qui apparaît juste ici. Et aller sur notre site. Allez sur notre site, le Pink Lily Shop, pour commander l'album de Lily Rose ou des vêtements Pink Lily, des gros Pink Lily. Ouais. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, c'est ciao. Je vais vérifier si elle est là. Ciao.